Maïka Desforges, producteur du festival Barbe Gazier. Barbe Gazier est un festival de sports extrêmes divers. L'univers qu'on veut créer autour de Barbe Gazier, c'est vraiment un aspect un peu culturel, sportif. C'est vraiment nos racines en tant que Québécois. On pense autant aux compétitions de bûcherons, on est tous défriché la terre pour se l'approprier, il y a de ça plus de 400 ans. Mais il y a aussi l'aspect motoneige, invention québécoise. Je pense que c'est intéressant de vraiment représenter autant des sports historiques, mais aussi des sports qu'on veut plutôt dire émergents, qu'on fait découvrir aux gens. Approché par la gang du Festineige à Sainte-Agathe-des-Monts, qui avait un événement hivernal, mais qui cherchait un week-end plus jeune, avec de l'adrénaline. Ils nous ont demandé de créer le week-end Barbe Gazier, qui se situe en fait comme une sorte de qualification, si on veut, à l'événement maître qui reste à Montréal, au Parc olympique. Daniel Desjardins, organisateur de Festineige. Sainte-Agathe-des-Monts, c'est la ville la plus haute en altitude des Laurentides. Le site de la place Lagny, qui est au centre-ville de Sainte-Agathe-des-Monts, où se tient Festineige, c'est vraiment un parc directement sur le lac. Ça nous donne un grand terrain de jeu qui nous permet de faire la patinoire, de faire un sentier de marche. Avant d'avoir le plus bel événement, il faut vraiment que la communauté se l'approprie. On le voit avec Barbe Gazier, que les gens s'accaparent le centre-ville. Ça intéresse les gens de venir voir, mais aussi de participer à l'événement. Ce week-end, on présente différents sports, dont la compétition de bûcheron Steel Timber Sports. On a aussi une compétition de fat bike, qui est un genre de vélo sur neige. On a par la suite des démonstrations de freestyle motoneige, des gars qui sautent en skidoo dans les airs à une vitesse hallucinante. Et puis, en terminant, le snow skate, qui est un peu un genre de skateboard des neiges, dans le fond, très populaire chez les jeunes. Je m'appelle Alexandre Blais, propriétaire d'entreprise Ambition Snow Skates. Ambition Snow Skates, c'est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de snow skates, qui est comme un hybride entre un skateboard et un snowboard. Le snow skate, ça a commencé autour des années 2000. C'était plus des produits qui étaient, on pourrait associer à des jouets. Puis on a vu qu'il y avait un potentiel vraiment important au niveau de la qualité des manœuvres que les gars pouvaient faire avec ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce produit-là, puis on l'a fabriqué avec des bons matériaux, inspirés du skateboard, du snowboard. On l'a comme transformé en un sport maintenant qui est totalement fonctionnel. Sur l'équipe Ambition Snow Skates, on a 22 athlètes commandités partout dans le monde. On a Russie, États-Unis, Canada, donc c'est vraiment les meilleurs au monde. Donc oui, on accompagne les athlètes, on les commandite, on leur fournit des budgets de voyage. C'est le but tout ça, de faire la promotion du snow skate, partager notre passion. Donc moi, c'est Charles-Louis Simard, je viens de Sherbrooke, puis ça fait environ 13 ans que je fais du snow skate. My name is Alan Gerlach, I'm a snow skater from Minneapolis, Minnesota. Ben, à vrai dire, moi, je fais du snow skate pratiquement à chaque jour, possiblement 40 à 50 heures semaine. Puis ça arrive souvent aussi que j'en fais la nuit, parce que la nuit, il y a quelque chose d'inspirant, c'est la solitude, c'est d'être seul avec soi-même. Tu as juste à penser à ta trick. I grew up snowboarding and found out about snow skating through the snowboard magazines. Decided I wanted to try it out. As I got better and progressed more, took it to the snowboard hills, took it out on the streets, and it just went from there. The more I snow skated, I began to snowboard a little bit less until I just snow skate. One thing that makes it quite different from skateboarding is that in skateboarding often you're just you're using or misusing in a way, reinterpreting the environment that's built. But in snow skating, you can actually add to that and make like a second layer. It's like almost a sculptural expression then that becomes something that you can ride. Pour moi, le snow skate, ça représente
le passe-temps hivernal par excellence parce que c'est un sport qui est démocratique. C'est aussi quelque chose qu'un kid peut faire sans se blesser nécessairement. Tu sais, tu peux commencer à une petite échelle, tu es posé dans une montagne. C'est un sport qui nécessite très peu d'équipement. Tu as ta planche. Dès qu'il neige, la neige tombe partout. Tous les spots de la ville deviennent accessibles. Donc, vraiment n'importe qui peut s'amuser en dedans de quelques minutes avec un snowskate. Pour moi, la compétition de bûcheron Steel Timber Sports, c'est le highlight. It's really going back to what our forefathers did. You can't stop watching. You really want to, like, you want to stay there. It is electrifying. Jerry Rosso, and I'm the head coach for the Steel Timber Sports Team Canada. Barbgazi is an event that is really exciting for us because it's extreme sports, action sports event, and it just fits really well with Steel Timber Sports. Steel Timber Sports is the top professional league in logger sports in the whole world. The sport has been around for about 30 years, which is when officially Steel Timber Sports started. Pour moi, la compétition de bûcheron Steel Timber Sports, c'est le highlight, c'est l'élément justement rassembleur. Ces gars-là, c'est très impressionnant de les voir. You can see it on TV and it's great, but when you see it live, it's something that completely captures your attention. You can't stop watching. You really want it, like you want to stay there, because you don't understand how these guys handle this heavy equipment, hot sauce that go at thousands of RPMs. It is electrifying. These guys, the passion that they show just to, you know, to drive 15 hours just to come here and put on a show is fantastic. And Marcel is a, you know, professional experienced athlete, and we got the two young kids, Nathan and Ben, who are coming up and coming in the sport but already doing really well. Marcel Dupuis, je viens de Memorancook au Nouveau-Brunswick. I'm Ben Cumberland. I'm from Keswick Ridge, New Brunswick, and I've been in the professional lumberjack ranks for about 5 years. My name is Nathan Cumberland. I'm the younger brother, yes. My brother's a year older than myself. Competing with Ben is awesome. You know, we train together at home, so one guy's training and the other guy's training, so it pushes each other. And at the show, you know, you want to compete against him. It ups your game, it makes you compete better, and there's a bit of bragging rights to it if you can beat him. Par emploi, je suis pompier à la ville de Moncton. Donc, les affaires de bûcheron, c'est comme mon deuxième job. J'aime faire ça. C'est là, je vais là pour, comme on dit, relaxer, sortir mon stress avec les compétitions de bûcheron et ça. Les deux frères Cumberland, j'ai vu le progrès dans leur carrière jusqu'à date, dans le circuit des maritimes. C'est toujours les hommes à battre. Donc, c'est du fun de voir deux personnes de la même famille évoluer dans un sport comme qu'ils font maintenant.
The Cumberland family is a very, very interesting family because they're amazing people and they have such a strong passion for the sport. Like, I admire their passion. Lumberjacking has a lot of significance within my family. My dad was numerous times the maritime champion. So to me, lumberjacking is more than just a sport. It's also a part of the way that I have fun with my family. Marcel Dupuis is an absolute specialist in everything he does. He finished second in the Canadian Championship last year. And he is just so strong. Every hit that he puts on the block makes it count. Toutes les familles de l'Est du Canada où il y a du froid, dans les hivers, les familles vont chercher le bois de chauffage et tout ça. Donc c'est une activité que je faisais. C'est pour moi spécial être comme un bûcheron parce que ça, tu reprends les vieilles techniques de toutes mes ancêtres, mes grands-parents. We're keeping the history alive of our country and our province. It's really going back to what our forefathers did. You know, they were up wading through snow up to their waists and chopping the trees down. They did this for a living. You know, they were tough and they and it's really really inspiring to know that they did it. Days as cold as today, it adds a level of danger that there might not be when we normally compete in the summer. You can't perform the movements that you need to the same degree, so you're not as loose. It's not just you against the block, but you also got the weather to take into consideration, and today it's really cold out there. But these guys are honestly the toughest guys you'll ever meet. They'll adapt to any condition and they'll chop through anything. All the guys at this point, they're at the beginning of their season. They're coming out of the winter. It's really good to see them come out and start training early. You're kind of working out the kinks and getting ready for the show in two weeks in Montreal. So what we do today will partly definitely play along with how we compete in Montreal. So there will be four or five different disciplines that we're going to be doing today. Each of them mimics an event that was done back in the logging tradition. One of the events, we're going to stand and the log will be standing vertically, and we'll chop through that halfway, turn around and chop the other half, and that mimics the felling of a tree in the woods. And then the next one would be we stand on the log and chop between our feet, and that mimics the chunking of the log so that they were into a manageable size. And then we kind of bring in a newer age with the chainsaws. We'll be doing races with the chainsaws down and up, and then with the long single buck saws. And I guess the biggest one is the hot saw. We're taking, you know, dirt bike engines and skidoo engines, and we're hooking them up to chainsaws and running them. And that's pretty much what we'll be doing today. 3, 2, 1, go! À Montréal, on a un élément de nouveauté vraiment impressionnant qu'on va rajouter. It's a really cool event. We call it the tree surfing. Hopefully, everybody's going to stay safe today. Let's see what happens.
Manny. On est actuellement au Parc olympique sur l'esplanade financière Sun Life pour la troisième édition du week-end Barbe Gazi. Actuellement, il fait très froid, mais les gens sont sur place, ils ont le cœur au ventre. Le Parc olympique, je pense que c'est un endroit qui est symbolique. C'est essentiellement désertique l'hiver, mais on est là pour vraiment remettre un peu de chaleur dans l'endroit. C'est sûr que le stade olympique, ça reste un symbole pour tout le monde. Puis dans les dernières années, il faut avouer que le stade a fait beaucoup d'efforts pour développer des activités puis approcher les gens. Il se crée tranquillement pas vite une espèce de... une culture de la vie active puis tout ça autour du stade olympique. Faire du snow skate au stade olympique, c'est vraiment le fun parce que c'est un endroit à Montréal qui est reconnu pour le skateboard. Puis pour le snow skate, bien, on a accès à tous les mêmes obstacles. Dans le fond, il y a beaucoup de marches, de petits murets. Il y a tout ce que tu veux pour ces sports-là. Nous autres, c'est le fun, on s'amuse vraiment toute la fin de semaine. Cette année, on est vraiment content d'ajouter le Challenge Barbe Gazi qui intègre une course à obstacles et puis aussi un parcours de 500 mètres en fat bike pour les festivaliers qui étaient sur place. Ce qui est intéressant avec le fat bike ou le vélo sur neige, si vous préférez, c'est que c'est un sport qui est vraiment émergent, qui gagne en popularité grâce à un partenariat avec les boutiques Le Yeti. On pouvait justement donner la chance aux gens d'essayer le vélo sur place. Le fat bike, ça existe depuis environ 10 ans. Ça a commencé par une expérience dans le désert de Sahara. Ça s'est dirigé vers l'Alaska par la suite, mais au Québec, plus spécifiquement, on peut dire que ça fait à peu près 2 ans que la pratique est vraiment en explosion. Là où ça devient intéressant avec des événements comme Barbe Gazi et d'autres, c'est qu'on attire des gens qui, à la base, étaient peut-être même pas intéressés ou au courant que ce type de vélo-là existait. Puis là, on leur offre la possibilité de l'essayer. On regarde n'importe qui fait des essais, des initiations, puis ils reviennent toujours avec le sourire aux oreilles parce que c'est comme une drôle de bébite. On réalise pas qu'on peut être à vélo sur des surfaces aussi lousses que de la neige ou du sable, par exemple, puis juste de constater ça, ça fait oublier le froid en quelque sorte. À Sainte-Agathe, la compétition Steel Timber Sport était vraiment intéressante. Mais à Montréal, on a un élément de nouveauté vraiment impressionnant qu'on va rajouter. In Sainte-Agathe, we did 5 events for lack of space, just we didn't do springboard, but we're going to have it on display today. Le springboard, ça c'est ce qu'on va mettre deux planches. On va faire une notch qu'on appelle. On met une planche, là on fait une autre notch, on met une autre planche, puis après ça on coupe le top de la bûche. Cette discipline-là, ça vient de quand que les bûcherons dans la forêt coupaient des gros arbres, mais il n'y avait pas les outils pour couper les grosses racines. Donc, ils montaient comme 8 pieds haut en l'air, puis là, ils coupaient là. It originated on the West Coast, where there was big butt flares on the trees. It's a really cool event. We call it the tree surfing in the lumberjack world. It's an amazing event to watch because it requires a lot of precision. If you don't open up that pocket correctly, your board is going to fall. And falling from 9 feet in the air with an axe is not something fun. It's a very dangerous event, okay? And hopefully everybody's going to stay safe today. Let's see what happens.
On est très contents, dans le fond, des deux éditions, autant Barbe-Gazy à Montréal que Barbe-Gazy à Sainte-Agathe-des-Monts. Malgré le froid qu'on a connu, les gens étaient au rendez-vous. Rappelons justement Barbe-Gazy qui veut dire barbe gelée. C'est vraiment une référence à notre amour pour le Québec, mais surtout pour le froid puis le plaisir de jouer dehors malgré l'hiver. On est fait tough au Québec. Même s'il fait moins 40, on va dehors, on joue, on s'habille puis on s'amuse.